Par cette pétition, nous voulons rappeler à la communauté internationale et à la justice internationale en particulier que la détention prolongée du président Laurent Gbagbo est un problème et constitue la principale raison de l'échec de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. À l'occasion de cette pétition que nous allons signer solennellement pour impulser le processus de mobilisation de l'opinion nationale et internationale en faveur de la libération du président Laurent Gbagbo, je voudrais solennellement appeler le président Laurent Gbagbo, dont nous nous réclamons tous, à contribuer par un appel solennel au retour de la paix au sein du parti. Nous ne pouvons pas réussir cette pétition si nous ne sommes pas capables de faire la paix à l'intérieur de notre maison. Que nous ne serons pas capables de contribuer à la libération du président Laurent Gbagbo si nous-mêmes ne sommes pas capables de libérer le Front populaire ivoirien. Il y a un temps pour les palabres. Il y a un temps pour l'entente et la concorde. Le temps est venu de surmonter nos contradictions, de dominer nos ressentiments pour œuvrer ensemble à l'unité du Front populaire ivoirien, à la libération du président Laurent Gbagbo, à la libération de la Côte d'Ivoire, et la refondation de notre nation.